C'est Arthur! Aujourd'hui, on est sur une autre vidéo sur Minecraft sur PS3, encore sur cette map, mon tuto 3, on va dire, ouais. Donc, encore accompagné de Nathan, parce que bien sûr, c'est sa map, et je l'ai fait ça, ça et ça. Mais bon, on s'en fiche. Aujourd'hui, on va voir le bouton invisible, ou soi-disant la maison invisible. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis. De la laine orange au lieu du rouge, parce que c'est là où on va devoir se mettre pour faire la main. Donc là vous voyez, il n'y a rien, absolument rien. Là, vous mettrez là, bien collé. Et après vous mettez tout en L2. Vous cherchez un truc et dès que vous voyez, bah vous devrez faire. Donc ça prend assez de temps pour la première fois. Voilà, donc là, comme vous voyez, là, je l'ai ouvert. Donc, pas de magie, pas de trucage. Donc voilà, donc ça vous fait cette petite salle. Et après, vous pouvez faire la dimension que vous voulez. Donc, on refait pour fermer. Voilà, donc, si vous n'êtes pas obligé de mettre le point, mais si, si vous n'avez pas trop à comprendre, enfin, à savoir un petit peu l'endroit, bah, vous faites comme nous, bah, vous faites ça. Donc, en premier, bah, vous devrez prendre la pierre que vous voulez, mais vous conseille plutôt de prendre celle-là. Donc, vous devrez faire la taille de votre mur. Donc, moi, je ne vais pas faire vraiment très long. Et après, vous devrez prendre des escaliers. Donc, on fait ça. Et voilà. Donc là, on va faire ça. Et voilà. Et après, vous mettrez votre bouton. Donc, pour vous dire, j'ai pas réussi avec le bouton. Donc, si vous voulez, bah, essayez avec le bouton. Et si vous avez réussi, dites-le moi dans les commentaires. Donc, vous faites votre petite mur. Donc aussi vous vous êtes pas obligé de faire de mettre les mettre comme enfin les pistons comme je mets. Donc faut tout le temps voir si la redstone s'allume comme ça. Donc on va faire ça pour avoir un petit peu de place. Alors on va prendre un piston. Comme ça. Et voilà. Donc après, vous regardez si ça s'allume. Et voilà. Donc quand vous voyez que ça fait ça, vous devrez le rapprocher un peu plus. Comme ça. Donc, vous regardez si ça s'allume ou pas. Enfin, si ça entre ou pas, comme là. Et voilà. Donc, vous mettez votre piston. Et après, maintenant, vous devrez faire en quelque sorte un passage pour que ça aille derrière. Désolé, Nathan, je vais regarder ton message, même plus. Donc voilà, donc là, ça vous fera votre passage. Donc, vous voyez, là, il y a le passage. Donc là, comme j'ai mis, et après, vous devrez bien chercher l'endroit. Et après, vous pourrez... Cherchez aussi les pixels, c'est-à-dire le bon pixel, là où vous devrez mettre votre main. Donc là, vous voyez. On va faire ça pour que bien vous voyez que j'ai pas triché. Voilà, donc on va faire ça. Attends, regardez ton message après la vidéo. Après, donc vous regardez.
Donc pour vous dire aussi, donc si vous voyez que mes tutos durent pas trop longtemps, parce que comme tout le monde le sait, les tutos, bah ça dure pas trop longtemps. Voilà, donc là j'ai réussi. Donc là pour refaire votre passage, n'importe lequel. Et voilà, donc après vous pourrez refermer. Voilà. Donc voilà, donc là ça fera votre mur avec normal avec votre bah, votre mur avec un passage secret. Donc j'espère que vous aura plu la vidéo. Regardez la chaîne de Nathan sur notre Vita. Abonnez-vous. Et lâchez un com. Ciao les potes.